Triton Amesco! これを全てかわすのはさすがのあなたでも不可能。まあそうでしょうね。あなたとはこうして本気でやり合ってみたかったのですよ。サメ肌もいつになく喜んでますね。水遁水光弾の術、加藤豪華級の術、シャリンガンならこの霧の中でもわずかな影を捉え背後から襲うことができる。お見事と言いたいところですが、それを読んだ上での水分身というわけか。相手の背後を取るのにここまで苦戦したのは久しぶりです。嬉しいですね。あなたがその同日アマテラスを繰り出そうとするほど本気とは。ですがその同日はチャクラを消費しすぎる。この後のサスケ君との戦いに響くのでは。やれやれ、ここまでにしましょう。私もあなたのその覚悟で満足することができましたからね。元より俺の望んだ戦いではない。さすがですね。この私に冷や汗をかかせるとは。サスケとは二人きりで戦いたい。他の者たちの足止めを頼む。いいでしょう。しかしずっと行動を共にしてきたあなたとここで別れるのは寂しいですね。Salut tout le monde, c'est Skid, très heureux aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération. Alors excusez-moi s'il y a mis du temps à venir, mais je suis tombée malade et en plus de ça je me suis déplacée les cervicales, ce qui fait que j'avais un mal de tête impossible. Bon, c'est pas grave, épisode général, donc on va pouvoir commencer. Alors je vais vous dire un truc qui sera vraiment très important pendant le premier combat. Itachi Uchiwa. Extraordinairement talentueux, il était guide du clan Uchiwa, son esprit était noble et doux. Finalement, Itachi détruisit le clan Uchiwa et s'enfuit de Konoha, mais son cœur demeurait à Konoha et auprès de son frère Sasuke Uchiwa. Après avoir rejoint Akatsuki, il revint à Konoha parce qu'il s'inquiétait pour Sasuke. Le retour d'Itachi, parmi tous les villageois, aucun ne fut content de le revoir. Il fut reçu au contraire par la violence. Et on dirait qu'ils t'ont préparé un accueil chaleureux, hein, Itachi. Ne me sous-estime pas. Je vais te combattre aussi. Itachi, pourquoi es-tu revenu? À quoi penses-tu donc? Mes raisons ne vous regardent pas. Oui, donc je pense que vous m'aurez deviné, c'est l'histoire d'Itachi Uchiwa, hein, pas besoin de le dire. Je pense qu'on a compris. Donc ce que je voulais dire d'assez important pour vous, moi après ça change pas grand-chose. Donc vous savez tous que je vous avais laissé, la plupart savent que je vous avais laissé choisir
sur un de mes deux prochains gateplays, ben un des prochains gateplays. Et donc j'avais choisi Wet. Et dans l'autre gateplay, j'avais décidé que ce serait une surprise. Mais le problème c'est que c'est un jeu, bon c'est pas vraiment le même style, mais je trouve que ça ressemble un peu à Wet. Et donc du coup, je vais vous dire directement ce que c'est. C'est Skipping Dogs, et je veux savoir si ça vous dérange que ce soit quand même deux gateplays qui risquent de se ressembler, parce que c'est un peu le même principe. Hein. Donc Adam, mets ça dans les commentaires, mais faites comme tout de suite quand je suis en train de dire ça, parce que sinon vous risquez d'oublier après. Bordel, j'ai plus de chakra. Ah. Ok, bon bref, on va envoyer lui là. Parfait. Un petit coin là, j'ai plus trop quoi, et c'est bon. Donc voilà, donc dites-moi rapidement dans les commentaires avant d'oublier, parce que ça reste important pour vous. Moi après ça change pas trop, parce que j'ai après tous les jeux que j'ai. Hein. Ceux que j'aime pas, bon ça se voit, j'y joue pas. Donc c'est vraiment important pour vous, pas tellement pour moi, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, donc à propos de Let's Play, hein, puisqu'on y est, le prochain épisode de Mario Kart, ce sera dans, attendez que je réfléchisse bien, il y aura encore deux Hein ? Bon ok, il y aura encore deux épisodes de Catherine, deux de Naruto, et ensuite on fera le prochain épisode de Mario Kart. J'espère d'ailleurs que l'épisode 2 de Mario Kart vous a plu, parce que c'est vrai qu'on n'entendait pas très bien ma voix, enfin qu'on comprenait pas très bien ce que je disais avec le gros masque. Je suis vraiment désolée, la prochaine fois je trouve un autre déguisement, mais qui... Enfin, pour un Halloween prochain, donc on attend, hein. J'ai le temps de m'en acheter un autre masque, mais on entendra mieux ma voix, je préfère quand même. Et aussi j'ai remarqué que mon micro perdait en qualité, donc je pense que je vais me prendre un Blue Yeti, vous savez, pas les casques, hein, les bons vrais micros, hein. Mais pas un cher quoi, celui à 99€. Voilà. Je sais que pour certains c'est cher, mais pour ce que c'est, je pense pas que ça... Enfin, par rapport aux autres prix que j'ai pu voir, c'est dans les 200€, je crois, si je me trompe pas, c'est vraiment... Je préfère prendre celui à 99, quoi. Il était bien entraîné, mais aucun d'entre eux ne pouvait battre Itachi. Ah, ils étaient, mince, c'était plusieurs. Ayant été repéré, Itachi quitta rapidement le village. Mais quelqu'un d'autre avait été troublé par l'apparition d'Itachi. C'était son jeune frère, Sasuke Uchiwa, qui nourrissait une haine profonde envers Itachi. Cela faisait peut-être partie du plan Itachi, je ne sais pas. En tout cas, en dépit des gains du sang, ils se sont combattus. Je me demande à quoi pensait Itachi pendant ce combat. Itachi, j'ai nourri mon ressentiment envers toi comme tu me l'as demandé. Ma seule raison de vivre a toujours été de te tuer. Purée, j'arrive pas à lire. Sasuke. Un petit combat sans les persos de soutien. Je vais me faire foncer, mais c'est pas grave. Donc il va rester, en gros, on a fait une histoire d'Itachi, au prochain épisode sera une histoire de Naruto enfant, et ensuite histoire de Naruto adulte, et on aura fini pour les Naruto. Donc si t'as cru que t'allais me frapper, toi, tu as toujours rêvé. Voilà, un petit katon, tu t'apprendras à permuter. C'est vraiment la grosse merde, c'est permute, parce que genre, le type il a permuté, mais il s'est quand même pris ma boule de feu, quoi, c'est un peu... Ah, le chien, c'est pas... Ah, pas beau. Ouais. Faut que je fasse attention, j'ai pas envie de perdre pour rien. Enfin, en fait, j'ai pas envie de perdre le temps de... J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, en fait, donc du coup, faut que j'arrive à me dépêcher. Mais bon, en principe, ça devrait pas être trop long. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Allez savoir, je m'ai pas fait exprès, je crois. Sinon, moi, je me suis acheté... donc, quand je suis allé à Paris Games Week, je me suis acheté Soul Calibur 5. Et je peux vous dire, ce jeu est juste super en fait. J'ai pas trop compris comment il joue, faut dire que pour l'instant, quand j'y joue, je me suis dit, tiens, pour une fois que j'ai un jeu auquel j'ai jamais joué, j'ai essayé d'apprendre à y jouer mes tactiques, on va dire. Pas que par exemple, ouais, quand je joue à Naruto, je fonce dans Octa, hein, on peut rien dire d'autre, c'est ça, je fonce entièrement dans Octa. Et donc je me suis dit, pour une fois, j'ai essayé d'apprendre à jouer tactique avec une certaine technique. Donc c'est vrai que pour le moment, je connais pas beaucoup de techniques dans le jeu, mais je sais quand même. À quel moment faudrait placer quoi, je dois en connaître 3-4 maximum, mais j'y ai pas. Enfin, à mon avis, j'y ai placé plutôt bien. Bon, après, bien sûr, faut que je perfectionne encore parce que j'ai pas encore beaucoup joué à ce jeu. Et... Faut dire que jouer contre la PlayStation, c'est pas forcément un exploit. Hein. Ah, j'avais presque oublié le chargement. Ça m'énerve ces jeux, il y a des gros. Enfin, encore, ça va, il y a rapide, mais il y a des jeux. Oh, ils sont horribles. Le fossé était alors immense entre Itachi et Sasuke. Sasuke combattit bien, mais finalement c'est Itachi qui l'emporta. Battu par son frère, Sasuke sentit sa haine croître encore. Pour transformer sa colère en force pour pouvoir accomplir sa vengeance, Itachi avait planté les graines de la haine dans le cœur de son frère avant de partir une fois de plus. C'est la haine qui allait permettre à Sasuke de se hisser plus loin.
Tout s'est déroulé selon les plans d'Itachi. Trois ans s'écoulèrent et Sasuke devint plus fort. Itachi anticipait peut-être qu'un ultime combat qui approchait chaque jour davantage. Mais Sasuke n'était pas que seul à mûrir. Naruto Uzumaki, le réceptacle de Kyuubi, a agrandi. Pour ramener Sasuke à Konoha, lui aussi se démenait. Akatsuki était une organisation qui chassait les démons actuels. Leur combat contre Naruto, qui abritait Kyuubi, était inévitable tôt ou tard. Je ne m'attendais pas à te voir ici. N'espère pas rester sur mon chemin. Ainsi voici Naruto Uzumaki. Oui, c'est lui, effectivement. Oh purée, pendant 5 secondes, j'ai rêvé que c'est moi qui allais avoir un personnage de soutien. Oh, horrible. Non, c'est pas grave, on va faire sans. Ou avec. Hop. Mais Gengo... Oh purée, mais... Eh, non, mais c'est pas possible. Je l'ai pas touché une seule fois, quoi. Tiens, prends ça dans tes dents. Quoi? Eh, attendez, vous l'avez vu. Il a fait son Rasengan d'un côté, il est revenu de notre normal. Ok. C'est presque de la triche d'avoir votre con, tiens. Ah, toi déjà tu te dégages. Vas-y, viens pour voir, viens. C'est bien. Non mais arrête-toi. Il fait son truc d'un côté et revient de l'autre, quoi. Oh, je déteste ce genre de conneries. Oh non, eh bien sûr, et quand c'est moi qui fais l'attaque. Allez, c'est bon. Y'a pas à recommencer? Eh, mais ça, c'est... Ah, ça va faire perdre du temps, ça va me saouler. Tiens! Chakra, 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 chakra... Oh, Susanoo, Susanoo, Susanoo! Y'a grosse malade, quoi, qui veut absolument ce truc en Susanoo. Quoi? Y'a pas d'éveil! Bordel! Non, 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 non! Ah, mais c'est bon, quoi! J'en ai... Et nous chipping, on se déconne en plus. Eh, mais c'est pas vrai. J'ai pas de soutien, j'ai que dingue. J'ai pas d'éveil. Non, mais putain, tu as arrêté de faire tes demi-tours, toi? Oh, bon, désolé, il pique en drache, mais bon. Il va me faire. Je voulais que ce soit rapide et lui, il me fait perdre du temps, pas possible. Tant pas de chicks en éveil. Le chip, il... je sais pas trop ce qu'il fout. Avec ses Rasengan tellement abusé, après il y a un soutien, moi j'en ai pas. C'est moi, je peux pas utiliser la grosse tech spéciale. Je mets encore un Rasengan, mais je balance la manette dans l'écran. Non, je vous rassure. Oh, un brise-garde, alors j'étais pas en garde, à quoi ça sert? Hop. T'es tué, toi, avec ton bandeau dans les cheveux. Faudrait qu'il coupe son bandeau, ça. Je pense que il pourrait s'étrangler avec. Regardez comment c'est large au bout. Tiens, tiens, il faut que je le tue avant ce passage. Vous savez qu'il se demande où je suis en train de péter les points, hein, mais totalement. Oh. T'as cru quoi, toi? Et non, il y a Kakashi qui est libre. Non, mais. Ah, ça va me saouler! Pourquoi je tape dans le vide, j'en sais absolument rien. Et tiens, t'es mort, voilà, tiens, tiens, tiens. Oh, ah, j'ai fini ma journée, là, c'est bon, je peux aller me coucher si j'ai envie. Hop, passé. Ma technique secrète et éveil inutilisable. Oh purée, ça c'est dégueulasse. J'ai pas de bouteille d'eau dans ma chambre, j'ai soif. Apparemment, j'ai pas de bouteille d'eau. Je suis sûre d'en avoir pris une pour regarder un film il y a pas longtemps. Et mon père a dû la récupérer. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, parce que je mets à la gorge à force de m'énerver en fait. Mais c'est bon, il devrait pas rester beaucoup de combats et dans un combat je serais vraiment transformé en Susanoo. Alors là, ça va me faire du bien, je crois. Je ne sais pas à quoi penser au juste Itachi. Pendant le combat avec Kyuubi, il passe soudain comme si tout ceci n'était pour lui qu'une expérience. Itachi est le seul à connaître ses propres pensées. Et quelques heures à peine après la rencontre avec Kyuubi, c'est arrivé. Itachi attendait ce jour fatal, il attendait son propre frère, Sasuke Uchiwa. Pour affronter son frère, Sasuke avait pénétré dans le repère des Uchiwa. Sachant que c'était le dernier combat, Itachi accepta le défi de son frère bien-aimé. Itachi, je vais briser mes liens avec toi une fois pour toutes. Tes yeux ignorent rien, ils ne comprennent rien. Tu as tort, il y a quelque chose que je vois très bien. Je vois ta mort, Itachi.
Ma mort, alors montre-la moi, à moi aussi. Il semble que dans l'anime, ce qu'il dit exactement, c'est je te vois mort à mes pieds, je te vois toi mort à mes pieds, Itachi. Si je me trompe pas, c'est la phrase exacte. Si je me trompe pas. Au pire, on s'en fout un peu. En fait, quand je veux que ça prenne pas beaucoup de temps cette fois-ci, c'est pas pour vous. Oui, bon, je suis désolée, c'est sagique. C'est plutôt parce qu'en fait. Ah, j'ai eu chaud. C'est plutôt parce qu'en fait, vous voyez, il y a ma mère qui est en train de dormir là, et elle va aller au restaurant avec ce club d'athlétisme. D'ailleurs, elle court pas très vite. On a bien besoin d'entraînement. Eh, hey, tu déconnes, vieux. C'était mon crâne, il était tout mignon et tout, il me ressemblait. Et voilà, tu as cassé et tu as tout les gens là-dedans. Bon, bref. Donc, au restaurant, et si vous voulez qu'elle dort, il faut que je la réveille, quoi. Avant l'heure que de partir, sinon il y aurait un petit problème, quoi. Ok. Vas-y, viens vers moi, toi. Alors, quand même, la différence, regardez, le crâne, il est plus foncé que moi. Alors, je sais pas si c'est la lumière ou si c'était le. Mon crâne, mais il m'avait l'air plus foncé que moi, en tout cas. Ça devait être éclairage. Ah, mais. Mais fonce bien, lui, fais pas un code, crétin, j'ai appuyé sur croix avant. Oh, bah, tiens, encore plus bête que moi. Yeah. Je sais pas pourquoi, je suis sûr que je vais galérer en sous-sano. Laissez-moi deviner, j'ai pas d'attaque spéciale là non plus, ça doit être ça. Allez, meurs. On attend que ça de toute façon, que tu meurs. Là, c'est le genre de combat que j'aime. Ah, parce que t'avais l'arcane lunaire, enfoiré. Ça fait 10 minutes que j'essaie de les faire. Donc, du coup, je vous dis un truc, ouais, c'est le genre de combat que j'aime pas parce qu'en fait, on vous demande de gagner le combat, or qu'au final, le personnage il va juste mourir quoi. D'accord, ça me rappelle des Rasengan tout à l'heure. Je ne veux rien dire. Ouais, donc c'est un peu bête, je me souviens sur DS, il y a qu'un. Enfin, sur DS, ouais, j'ai joué sur DS Naruto. C'était Ninja Destiny, si je ne me trompe pas. Et on fait un combat à Shikamaru contre Temari. Et en fait, Shikamaru sur DS. C'est comme Temari sur PS3 en fait, il met 10 minutes à faire une attaque. En vrai, avec Chip, c'est limite un vieux pépé quoi qui essaie de faire un petit coup quoi. Et donc, du coup, j'ai recommencé le combat 3-4 fois. Bon, savoir que j'étais encore moins patiente que maintenant avant parce que Wing, là, je suis patiente par rapport à avant. Et si vous voyez, quand je me suis rendu compte, en fait, parce que je connaissais pas du tout l'histoire de Naruto, et quand je me suis rendu compte qu'en fait, au final, le personnage il abandonnait, j'ai juste pété les plombs quoi. Oh, vous pouvez pas savoir comment ça avait mis la rage de. Alors, parce que je sais pas combien de temps sur ce combat et au final, ben, je suis pas, j'abandonne, je suis trop nulle. En plus, il est devenu Chunin après. En bref. Frère contre frère, sang contre sang, un défi d'Itachi surpassait les pouvoirs de Sasuke. L'issue du combat était inévitable, en apparence du moins. En apparence, mais il a fait exprès de ce que c'est tué en même temps, car Sasuke n'était pas encore vaincu. Les pouvoirs de Sasuke étaient tels qu'Itachi lui-même en fut impressionné. Sasuke étant désormais presque aussi fort que lui, Itachi a bâti sa dernière carte, Susanoo. La fin du combat approchait, Itachi s'apprêta à y mettre un terme définitif. Sasuke, tu es devenu très fort. C'est ma dernière carte, Susanoo. NGH. Quelle mutation transitique de but. C'est la fin, tout est enfin terminé. J'espère fond d'écran, comme vous savez, quand Itachi est en train de mourir et qu'il met ses deux doigts plein de sang, là, tout dégueulasse, sur le front de Sasuke. Et j'avais un sac fond d'écran sur mon ancien PC et tout ça. Je me demande si je l'ai pas encore sur ce PC. Ah! Wouah! Alors, ça, c'est le truc dégueulasse. Oh, tiens, merde! Déjà, j'étais concentré pendant 5 secondes! Je vais me faire tuer parce qu'un Susanoo, c'est super simple à battre! Oh, heureusement qu'elle a porté cette grosse épée, quoi! Oh, montre-moi ta grosse épée! Non, je n'ai rien dit du tout de tellement dégueulasse. Ah, ça y est, il est mort, parfait. Parfait, parfait, parfait. Un petit combat en mode éveil, ça fait du bien. C'est fini, Sasuke. Et normalement, c'est le dernier combat, puisque. Ouais, puisqu'Itachi il meurt, donc je sais pas trop comment on pourrait mettre un autre combat en fait. Ce serait un peu dommage. Au passage, si de temps en temps je sortirai ma vidéo en retard, c'est parce que. Bon, c'est vrai que c'était. En fait, non, j'ai aucune excuse pour sortir ma vidéo en retard. Mais en fait, j'allais dire qu'avec Sony Vegas Pro 12. Grandi, mais depuis longtemps, mais ça reste quand même rapide chez moi en fait, donc on s'en fout un peu. Par contre, c'est ma connexion qui est vraiment dégoûtante. Et ça m'énerve vraiment quoi. Pff. Dire qu'on paye un abonnement et qu'on a une connexion pourrie à la fin. Avec ses yeux, cette technique, la capacité d'Itachi de dépasser celle de n'importe qui d'autre.
Aucun adversaire n'est digne de lui, pas même Sasuke. Mais ce ne sont pas toujours les capacités qui décident de l'issue d'un combat. Bon tout le monde, cette vidéo est terminée et je vous laisse avec la cinématique. J'espère que ça vous a plu, à plus tout le monde. Sasuke, omae no me wa minukete ita no ka? Ore no me da. Ore no. Onore o itsuari, ichizoku goroshi no omae o kite made mamora nakereba naranakatta. ちょっと用事があってな。許せ、サスケ。また今度だ。 父さんは兄さんのことばかりだ。 俺が疎ましいか？ 別にいいさ。 忍びってのは人に憎まれ生きていくのが道理ってもんだからな。 ただ、お前と俺は唯一無二の兄弟だ。 お前の越えるべき壁として、俺は お前と共にあり続けるさ。たとえ憎まれようともな。それが兄貴ってもんだ。サスケ。兄さん！兄さん！兄さん！最後の最後まで、その命が燃え尽きる最後の瞬間まで、イタチはお前のことを、内浅助のことを案じ、そして全てを最愛の弟のために、たった一人お前のためにかけ、それでもイタチは笑って死んでいった。これがイタチの真実、お前の兄の生き様だ。